Bonjour Anne, je suis très contente que tu as accepté de faire ce témoignage vidéo. Bonjour Gudrun, ben moi aussi je suis contente, un peu impressionnée, mais voilà, je suis là avec Ah. toi. Mais ben alors, je vais dire ici Anne, c'est une amie. Anne, c'est ma photographe. Quand vous allez sur mon site web, vous allez voir presque toutes les photos sont faites par Anne. Et donc, je suis complètement reconnaissante de t'avoir trouvée, en fait. Ou c'est toi qui m'as trouvée, on ne sait pas. Oui, c'est un peu les deux, hein. Mais je te suis reconnaissante aussi de ta confiance, en tout cas. Et voilà, c'est du bonheur que de t'avoir rencontré comme ça. Oui, c'est très chouette. Et Donc, alors, toi, tu t'es inscrite à la Summer School et, qui s'appelle La magie d'être une femme. Comment ça se fait que tu t'es inscrite? Qu'est-ce qui t'a intéressée là-dedans? mais c'est vrai que, comme on le disait, nous, on se connaissait un petit peu, je connaissais ton parcours, ce que tu faisais, et je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. Parce qu'en fait, je vais parler nous les femmes, mais moi spécialement, mais voilà, je pense qu'on se crée un personnage pendant X années, tu vois, et on se déconnecte de sa femme intérieure, du sacré, en fait, de notre intuition, on se détache de tout ça, et on vit une vie qui ne nous appartient pas finalement, hein, une vie d'automate conditionnée et tout. Et donc là, moi, je sens qu'il y a un vide. Et que je dois me reconnecter à moi-même, l'enfant intérieur, la femme sauvage. D'ailleurs, je relis le bouquin, tu vois, de Clarissa Pinkola Estes, tu vois, Danse avec les femmes qui dansent avec les loups, c'est extraordinaire. Donc, je voudrais retrouver, voilà, me reconnecter à mon intuition et la femme sauvage, en fait, tu sais, à moi-même, simplement, voilà. Et ta Summer School, je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Ah oui, donc pour toi, c'était un peu l'occasion de vraiment, avec l'énergie du groupe, peut-être ne pas être seule dans ton coin à lire un En livre et se dire plus, comment je vais voilà, mettre c'est ça. ça. Tu t'es dit, Oui. waouh, là, il y a un cours, je vais Oui. pouvoir trouver ça aussi. Exactement. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à être solitaire et à faire les choses beaucoup, beaucoup lire, autodidacte, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. On est tous en lien avec tout le monde, en fait. Hein. Ça, les gens ne comprennent pas. En médecine chinoise, on dit que le un fait tout et que tout fait un et que rester tout seul dans son coin, c'est pas bon. Donc, j'avais envie de me joindre à vous, mais je l'ai fait à ma manière un peu. Tu vois, je l'ai fait, j'ai pris ce qui me plaisait. J'ai pas voulu mettre le couteau sous la gorge en faisant tout pour faire plaisir. J'ai vraiment pris les éléments que j'aimais bien et qui m'ont servi. Oui, Voilà. ça c'est important que tu dises ça, hein, parce que on pourrait se dire, tiens, moi je vais me, comme tu dis, couteau à la gorge, je dois absolument tout faire et y mettre un stress, ce n'est pas du tout le but. Et même peut-être que si dans le cours je donne tous les éléments que je donne, parce que si on est un groupe mixte, c'est très bien que tu dis de prendre ce qui résonne Oui. pour toi et ce qui te faisait avancer. Donc tu as mis des choses en pratique quand même. Tout à fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais dans les premières semaines, c'est le cercle magique qui est à côté de moi, de l'eau, où on met sa bouteille et le matin on dit merci, on la secoue. Voilà, moi ça m'a parlé. Je pense que j'ai pris les éléments qui m'ont parlé ou qui m'ont appelé. Hein, ça dépend dans quel sens on se met. Voilà, et petit à petit, parce que je procrastine beaucoup. Je suis un peu la reine de la procrastination pour l'instant. Donc voilà, peur de passer à l'action, peur d'aller plus loin dans mon métier de photographe. Voilà. Et donc je me dis, voilà, petit à petit, je mets en place des rituels que tu nous proposais. Je lisais beaucoup aussi les commentaires des autres qui m'ont fait un bien fou. Je répondais de temps en temps. Voilà, j'ai pas été super active, mais ça m'a fait un bien fou, en tout cas. Oui, à propos pour passer à l'action, Oui. on avait dans la, je pense que c'est la troisième semaine, cette idée de mettre une vidéo dans le groupe où on dansait. Et je Ah. sais qu'on en avait parlé nous deux et que toi t'avais dit, ah, moi danser, mais non. Tu l'as quand même fait et j'ai trouvé ça magnifique. Oui, En plus, c'était merci. rigolo parce que tu étais dans le jardin, il y avait ton chat qui dansait, Oui. qui jouait avec toi quand tu dansais. C'est Oui. magnifique. Dis-moi un peu comment ça se fait que tu as quand même fait cette vidéo, si tu t'es frayé un peu cette histoire Oui. et comment, qu'est-ce que tu as senti par la suite Oui. et En comment fait, tu... l'histoire en dessous, c'est que j'avais fait une première vidéo dans mon salon toute seule. Et j'étais, pour une photographe, c'est un peu le comble, mais j'étais un peu coincée devant l'objectif, en fait, tu vois. Et donc, quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi cette tête? C'est pas possible, j'avais l'air coincée. Et je l'ai quand même postée. Et il n'y a que 4-5 personnes qui l'ont vue et qui m'ont dit, oui, c'est vrai, t'as l'air un peu coincée. C'est sympa, mais t'as l'air coincée. Je me suis dit, merde. Pardon. Et alors, je me dis, il faut que je refasse ça. Et alors, j'ai demandé à mon fils qui me filme dehors. Et là, c'était génial. Je me suis vraiment amusée. Mais parce que je me mets trop de pression, quoi. Tu vois, je me mets souvent trop de pression. Voilà, et finalement, je me suis amusée et c'était très gai. Et tester cette fluidité, danser, mon chat est venu effectivement et c'était magique, Ah quoi. Je me suis amusée comme un enfant.
Et voilà, très beau défi et pas si facile. Hein. On a l'air de dire, oh, danser avec un foulard. Ben non, il faut le faire. Il faut trouver. Voilà, il faut être connecté à soi pour le faire en fait. Hein. Et j'ai posté ma vidéo et effectivement, il y a eu beaucoup de chouettes commentaires pour le chat aussi. Mais c'était me dépasser aussi, dépasser, sortir de ma zone de confort et dire arrêter de dire je sais pas faire ça, je peux pas faire ça, j'ai peur. C'est donc pour moi ça a été quand même difficile, mais je l'ai fait, je suis contente en fait. Voilà. Et puis le groupe qui est derrière, évidemment, qui soutient, ça c'est génial, quoi. Hein. Ah oui, j'ai vu ça. Moi, j'étais chaque fois touchée. Parce que quand je voyais toutes les femmes faire leurs vidéos, et chaque femme a une autre énergie, une autre manière de bouger, etc. Donc, l'exercice en soi, je pense, il était assez simple. On n'allait pas vous demander de faire une danse. C'était un mouvement avec bien spécifique pour une énergie bien spécifique. Et j'étais très touchée. Et j'ai vu que les commentaires reflétaient ça aussi. Tout le monde a été super touché. Tout à fait. Et alors, il y en a qui le font spontanément, tout de suite, tu vois. Et puis, des femmes un peu plus comme moi, un peu plus timides ou à la traîne ou voilà, pas trop bien dans nos baskets pour l'instant. Mais le fait de dire, ah ben tiens, j'ai aussi envie. Tu vois, c'est comme un mouvement qui prend forme en fait, tu vois, qui commence à bouger et les autres entraînent les autres et c'est génial, quoi. Voilà, donc c'est super. Oui. Et le fait de pouvoir se dépasser, comme tu dis, de sortir un peu cette zone de confort, d'avoir cette... Je pense que tout le monde a eu ça. Ce groupe Facebook est un groupe fermé, mais on a eu une sororité, on a eu un soutien, une bienveillance qui est assez rare actuellement et malheureusement encore quand les femmes se rencontrent, peut-être déjà on ne se rencontre pas assez, mais là il y a quand même cet espace protégé que je pense que toi tu as dû sentir aussi. Ouais, ça faisait du bien. Et tu vois, cette semaine, c'est ça, je me sens un peu, enfin tu vois, on n'a plus l'énergie de groupe, quoi, tout niveau. Donc, ah oui. Il faut nourrir nous-mêmes, continuer à nourrir nous-mêmes cette énergie, et c'est pas toujours facile, hein, voilà. Oui. Donc là, on a appris les premiers pas. Il y a la glace qui passe ici. Je ne sais pas si on entend. Tu l'entends, toi? Oui, là, je suis dans ce gros une glace. Bon, bah, c'est pas grave. Ça arrête devant la maison, hein, je te jure. Bon, bref. Voilà. Attends. Ben voilà, je pense que j'ai arrêté pour ne pas écouter cette voiture de glace, mais elle va démarrer incessamment sous peu. Donc, ce que je disais, c'est que dans la Summer School, vous avez appris les pas de bébé à marcher. Hein. Il y a quand même tout encore un chemin à faire pour intégrer ça pour la plupart dans le corps, pour incarner et de vraiment cette magie qu'on peut sentir et qu'on peut réaliser, que ça prenne carrément corps et que on puisse prendre des actions et rester sur ce chemin de vie. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un chemin qu'il faut encore faire et j'accompagne les gens qui veulent, les femmes qui veulent avoir cet accompagnement. Ça, on commence ça en mois de septembre. Mm-hmm. Et donc, oui, comme tu dis, quand on fait ça seul, ben, y en a qui y arrivent. Ça prend souvent beaucoup plus de temps parce que quand on n'a pas une deuxième personne qui te donne un feedback et une qui te pousse. Voilà. Voilà, mais c'est de toute façon une belle expérience parce que j'ai vu chez toi l'évolution, hein, de pouvoir danser là devant tout le monde et de dépasser. Oui. Toi, c'était important aussi cet élément. Oui, tout à fait, oui, voilà. Et c'est vraiment le groupe qui m'a apporté cette énergie et j'ai dit moi aussi j'ai envie de le faire seule, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Voilà. Exactement, donc merci. Et donc le cours, si tu avais, je ne sais pas si tu connais, vois pas tout de suite une réponse, mais si tu disais qu'il y a un point culminant ou un élément culminant pour toi, ce serait lequel spontanément comme ça? Mais la construction de l'hôtel et la gratitude en fait, parce que voilà, j'estime que ici en Belgique, je suis privilégiée par rapport au fait d'avoir ma maison, deux enfants en bonne santé, un job mi-temps, je peux développer ma carrière de photographe comme j'ai envie. Mais souvent, on ne prend pas le temps de remercier en fait soi-même ou l'univers. Et je pense que c'est très important fin de journée. Enfin, moi, je pense fin de journée, dire tiens, ben, j'ai eu ça dans ma journée, même des petits trucs, hein, mais tu vois, des petits moments de bonheur et réaliser ça, tu vois, plutôt que de dire oh, ça va pas, parce que parfois, je suis douée pour ça. Et de voir les choses d'un côté positif. Donc, j'ai déjà réuni, mais c'est sur mon bureau pour l'instant, quelques petites plumes, quelques petits morceaux de pierre, de bois, mais je n'ai pas encore trouvé, tu vois, à la maison,
la place de mon hôtel, tu vois, peut-être dans ma chambre, tu vois, en te parlant, ça vient. Donc, tu vois, je fais les choses vraiment à mon aise, à mon rythme, mais ça me parle. J'ai envie d'avoir cet hôtel et recueillir tout ce qui me parle, en tout cas. Et puis, je l'avais fait en Suisse. Là, j'avais été en Suisse il y a 3 semaines déjà. J'avais créé un hôtel dans la nature, sur base de la photothérapie. Et là, j'avais mis tous des éléments, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui me parle, en fait. Hein. Oui, oui, tu avais posé la photo. Oui, quand tu es photographe chez toi, ça c'est... Ah, avec le Land Art, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Et dans ta profession ou dans ta mission de vie, parce que tu es photographe et tu fais aussi l'art-thérapie, est-ce que ces cours t'ont apporté quelque chose là-dedans? Ton cours ici, tu veux dire? Oui. Oui. Ben justement, le fait qu'on doit être beaucoup plus ancré en soi, en fait. Je remarquais pendant le cours que ben, j'étais plus, enracinée. Tu vois, tes exercices et tout ça nous permettent d'être en connexion avec soi-même. Et du coup, ben, je trouve que je faisais plus volontiers des photos et je m'activais beaucoup plus, tu vois. Et maintenant, ici que le cours est fini, je trouve que je suis de nouveau un peu trop dans ma tête et dans le mental, tu vois. J'ai décollé et je suis de nouveau en train un peu de procrastiner, me poser des questions et voilà. Donc, voilà, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Mais c'est quelque chose que je devrais pratiquer quand même quasi au quotidien, tu vois. L'ancrage, quelques exercices, la respiration, je ne le fais pas. Et je sais que ça me fait du bien, puisque tu sais que je fais de la médecine chinoise aussi. Donc, la théorie, je pourrais t'écrire des bouquins entiers sur ce qu'il faut faire, mais je ne l'applique pas chez moi, en fait. Et les petites choses quand même que tu as appris, comme tu disais ici avec le cercle. Non, il y a quand même des éléments qui sont parfaitement, qui font déjà partie maintenant. Oui, le cercle d'eau, effectivement, faire la planche, l'hôtel, même si c'est pas encore sur un hôtel. Oui, il y a plein de petites choses, quoi. Et surtout les pensées négatives aussi. Je suis un peu addict des pensées négatives, donc les transformer en positif, tu vois, quand ça arrive, ou en tout cas pas les accrocher, mais les laisser passer un peu comme des nuages, tu vois, ne plus se dire, oh, mon Dieu, mon mental pense ça, au secours, c'est laisser passer les pensées et les mettre en positif, tu vois. Ouais. Parce que le cerveau, il y a de la neuroplasticité, hein, donc aussi après 21 jours, logiquement, tu crées d'autres chemins tout à fait, ouais. Dans le cerveau positif. Voilà, chez moi, il y a du boulot. Hein. Ok, ben, très 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 bien. Voilà, je ne sais pas si tout a été dit ou si tu veux rajouter quelque chose. Mais écoute, non, je pense que j'ai c'était très positif en tout cas, et te remercier en fait toutes les filles du groupe aussi, parce que c'était vraiment magique, et j'attends avec hâte tes autres cours pour me permettre de nouveau d'être plus connectée à moi-même et en espérant qu'à la longue, ben, je puisse garder cette connexion ou de moi-même pouvoir faire un exercice qui me reconnecte à moi-même, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, j'ai besoin d'un petit coup de main, et tu es là comme par magie. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me touche ce que tu dis, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. À bientôt de toute façon. Oui, à bientôt, bisous, ciao. Ciao, ciao.